Spectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale et de Jean-Aubert Jean-Noël TV, nous allons présenter l'autre version de Haïti Horizon 2054. Dans la dernière émission, Jean-Aubert et moi-même, nous avons fermé avec une incertitude. Et je vous dis, l'incertitude est grandissante. Situation vient plus inquiétante. Et le regardé Jean, panorama politique en Haïti, hein? Gouvernement, Bessa, Guy Philippe, n'a regardé Kenya, position Nations Unies, tout le monde mêlé en Haïti qui permet de jour en jour situation apparaître plus corsée, plus difficile pour une analyse politique kawé qui perspective de solution. Jean-Robert, bonjour, bonsoir, comment est-ce? Bonjour, bonsoir Rinal, salut à toutes et à tous. Nous rencontrons encore aujourd'hui à Semenza et nous fin mois de janvier ça pour nous analyser la situation dans la mesure du possible. Situation ça pas être tellement corsée que analyse est difficile, mais nous avons essayé quand même passer job nous. Jean-Bernard, on a regardé la situation. D'un côté, le gouvernement prend des mesures pour gagner apparemment contrôle du pays, puisque nous connaissons 80%, 90% gouvernement pas un contrôle Port-au-Prince, voire pour tout le pays. Mais puisque l'appareil d'État n'a même pas des mesures, prend changement de personnel, délégués, magistrats, des mesures contre Bessap, stopper Bessap, puisque monsieur s'est retourné en place. Fiche flow, carte d'identification, pas valable pour le moment, et ou pas une loi circuler à ZAM. Donc, il y a des mesures que le gouvernement prend. D'un côté, M. Bessapio, qui voulait organiser, est-ce qu'il y a une capacité pour y organiser? Parce que d'un côté, il y a une population qui, côté moi, parce que population fatiguée à gouvernement, ça, qui n'a pas porté solution. Et il y a Guy Philippe, qui te font monter spectaculaire, parler de temps en temps. Ou pas senti, même Elanza qui caille Guy Philippe, est-ce que c'est réfléchi, la réfléchi sous stratégie, pour regarder stratégie qui t'est gagnant, qui t'est fait trop visible là, est-ce que pas une meilleure stratégie pour lui frapper et gouvernement? Ou de l'autre côté, ou bien monsieur les accords, les fameux accords qui pas jambes, qui en désaccord avec pouvoir, qui pas jeune entente, et ou gagnant la question de Kenya, ou bien la question des Nations Unies, etc. Donc, bon, méli-mélo en dans la société, hein, et ça nous a dit comme finalité, Jean-Robert, population va entrer dans plus de misère. C'est ça nous a dit, mais en termes de situation, Jean-Robert, comment on est? Parce que moi, je ne suis Bon, le problème, c'est que là, vous mettez tout dossier ça. Et en même temps, c'est-à-dire que les gens mettez moi-même en difficulté pour. Nous étions plus bon pour nous garder au point par point, parce que c'est vous besoin de montrer une situation complexe. à nous Là, commencer par le gouvernement, dans la oui. mesure que la prend. Bon, et si vous voulez le conseil, il t'a plus bon. Le gouvernement conseille de mesure le prend. Mais surtout par rapport à Bessap. Et moi-même, et grand, faut nous reconnaître tout. Ce n'est pas seulement par rapport à Bessap, le gouvernement ça prend une série de décisions. Nous n'avons pas occupé ça qu'a fait. Le gouvernement ça prend pas quelques décisions bien avant. Le gouvernement ça, c'est un gouvernement qui changeait le directeur douane. Moun pa même rendu compte ça. Il est vrai que le résultat au niveau douane pas plus mal. Il a changé gouverneur de la banque. C'est des changements profonds pour moi et des institutions comme ça. Il a nommé Moun à la Cour de cassation depuis l'année 2023 là. Donc, nous-mêmes n'avons pas fait attention à tout bagage ça. Qu'on a là le fait que gagne le phénomène Guy Philippe, là, Bessap qui prend fait et cause pour question Guy Philippe, là, et même il prend des décisions qui en rapport avec Bessap et en rapport avec directeur général
et Air Protégé, hein, qui c'est directeur et BESAP tout. Donc, ça veut dire que il y a des mesures que vous prenez là, moi, vous prenez tellement avec rapidité que les. Par contre, pour ça, vous prenez des mesures comme ça contre bandits. Parce que Et au changer là, délégué, au changer magistrat, tout. j'ai choisi délégué magistrat. Donc, ça veut dire que je cherchais des gens qui proches et me déléguer ça autour. Et avec magistrat, on commence à m'agir. Par exemple, là, pour ça que t'as passé, Jérémy. Donc, vous sentiez. Et guerriers ont même mis de Mounzao par rapport à la situation théière. Donc, ça veut dire que il y a des mesures à prendre là, mesures visent un petit peu plus pour corps et pouvoir, pour pouvoir et pour Bessap qui a force de frappe, qui est capable d'accompagner qui finit. Donc, ils prennent des mesures contre Bessap et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas servir avec des armes. En d'autres termes, c'est comme si. Et avec force policière là, et l'autre force gars avec eux, yo et affaibli dans le cas où Guy Philippe a eu l'intention d'entrer par le prince, pour le rentrer pratiquement et sans riposte armée. Donc, ça veut dire que laisse à la police, et qui a un mot d'ordre pour protéger l'armée même qui est déployée à ce qu'il paraît. Donc, pour faire face à la menace que Guy Philippe représentait. Hein. Donc, à ce moment-là, et nous, notre situation côté, nous par contre, ça ne peut pas le passer. Et il y a eu une complexité, et ça nous a vu là. Et nous, par contre, nous au bord de l'affrontement, et Et nous les sommes. bandits, Jobert, et les bandits, je n'ai pas menace pour le gouvernement. Non, il n'y a pas de menace pour lui, puis il n'y a pas de prendre aucune mesure pour les bandits. Donc, c'est ça, Même me des dit lois pas prendre pour condamner bandits et des mesures pas prendre. Il n'y a pas menace. Il vient en que. bagaille normal. Non, il n'y a peut-être pas de menace, il y a peut-être même. Si vous regardez ça qu'a fait là, il y a peut-être plus un allié que t'as en menace. Parce que normalement, pour Isaac, vous nous avez opposé, le gouvernement d'arrêt de prendre des mesures. Même si je ne prends pas quelques mesures ces derniers temps, il a pris pas quelques mesures tout contre Mounzao. Contre Bandio, qui a fait une bonne exaction. Et surtout, ces derniers temps, quand le taux de kidnapping a augmenté en pile, et on regarde les rapports de l'ONU, en série de bagages qui sortent, l'année 2023, c'est une année qui montrait qu'il y a près de, y a plus que 8 000 personnes qui sont victimes de questions de banditisme et chaque blessé puis chaque mourir. Il y a des gens qui parlent de plus de 5 000 personnes qui mourent dans quatre batailles par banditisme. Donc, c'est un problème qui était grave et nous t'ai parlé de l'indifférence du gouvernement par rapport à la situation ça. Et puis d'un coup, les BESAP ont fait des causes aux questions Guy Philippe qui nous semblent menaces et qui sont menaces tout. À ce moment-là, il y a des mesures qu'à prendre. C'est comme si il y avait une possibilité de prendre des mesures, il n'y a pas de problème. Mais on a senti la nécessité, puisque le pouvoir est menacé, de prendre des mesures. C'est comme ça que je comprends l'attitude du gouvernement qu'on a. Et l'on garde des bandits aujourd'hui, manifestation ces derniers temps, nous avons dit qu'on l'aide de Taliban. Et que semaine ça, il va le faire porte au point chaud pour pas sentir réaction au gouvernement. Bon, il y a même. Dans qui ça, si vous voulez faire chaud? À qui vous le connaissez? Vous ne connaissez pas. Est-ce que vous voulez faire chaud? Parce que vous voulez attendre l'équipe Guy Philippe qui a monté. Est-ce que vous voulez faire chaud parce que vous voulez multiplier le kidnapping? Est-ce que vous voulez faire chaud parce que vous voulez entrer en rébellion contre le gouvernement? Personne ne connaît. Il dit vous voulez faire chaud. Taliban, c'est groupé, pas même groupé qu'il a en Canada, en Mounzao. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont fait exaction depuis longtemps. Et il dit à barrer route nationale là, qui allait sous Port-au-Prince, il y a même à parler du côté route plateau central. Donc il a coupé Port-au-Prince, c'est-à-dire Port-au-Prince bloqué du côté Mariani ou et du côté zone Darfour, et avant Carrefour, côté bandit. Il a même décidé de réduire le Port-au-Prince dans deux entrées ça. Oui, nous avons ça tout, mais le problème qui vient, c'est que je vais le faire de manière sporadique, peut-être je vais le faire de manière définitive. Mais bon, problème, non, Bamdou. Et Port-au-Prince est toujours occupé, et Mounzao, c'est eux-mêmes qui font ça, les, comment dire, ils n'ont rien de droit de péage, ils font payer pour passer, et c'est eux-mêmes qui contrôlent tout le bagage qui vient dans le pays. Hein. Et il y a des liaisons entre eux, même s'il y a certains groupes qui ont goumé. Donc, c'est eux qui ont géré le pays. Hein. Donc, C'est comme il y si a il y plusieurs. a eu partage de pouvoir avec le gouvernement central là.
gouvernement dont un certain espace qui contrôlait. Et puis, M. Bandio, en tant qu'autorité, tout, il contrôle un grand bâtiment, espace et capital. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Ça, nous tous connaissons. Même le ministre de la Justice n'a parlé de territoire perdu. Donc, par conséquent, ils reconnaissent que c'est Bandio qui met territoire ça. Ils m'ont parlé de 80% des zones métropolitaines là, qui sont occupées par Bandi. Et c'est un fait. C'est un En nous fait. regardant des populations, réaction, ils ont besoin de libération. Et il y a différents groupes un peu partout qui décident à partir de demain, pays à bloquer. Ils ont même demandé aux élèves, parents qui ont des petites lacailles, du côté Gonaïves, dans la Tibonite, dans le Nord, Hench, l'autre côté tout, Jean-Roubin. Ça, sont l'autre élément qui entraîne la question confusion. Nous pas comprendre dans les gens. Bon, confusion, nous t'inquiète, t'as parlé de ça dans la dernière vidéo. Ah, son confusion, et puis il y a confusion, il y a inquiétude. Et il y a une plus grave semaine ça, parce que position est plus tranchée. Et à ce moment-là, il y a une possibilité pour qu'on laisse frapper. Parce que il y a un peu de monde qui était compté sur le Kenya, et même le gouvernement en place, là, je suppose. Et le fait que c'est l'élite te fait demande là, auprès de l'ONU. Dans le cas où Kenya est rentré avec tout l'autre monde qui n'a pas comparé, il a bien plus garanti. Et voilà que la Cour suprême de Kenya met interdiction et pour les policiers rentrer. Et que montrer par A plus B que le gouvernement, enfin le président, n'a pas le droit de, selon la Constitution, d'engager la police. L'armée peut-être, mais pas la police. Donc à ce moment-là, tout le bagage est changé. Et regardez ça qui a passé au niveau de l'ONU, tout. Des décisions qu'il prend, mais qui montrent la nécessité pour intervenir en Haïti. Mais intervention a faite sous contrôle Kenya. Bon, nous sommes dans l'impasse. Ça veut dire qu'au niveau international, c'est l'impasse. Est-ce que eux-mêmes, ils ont vraiment besoin de venir? Oui, puisqu'ils ont regardé toute manœuvre canadienne, américaine, etc., jusqu'à ce qu'ils soient tombés sous Kenya. Vous comme l'impression, c'est ton jeu qui t'est joué d'avance. Les situations haïtiennes, vous devez les résoudre par haïtien. Mais politiquement, n'est-ce pas, j'ai entendu. Quand on est là, vous venez, Guy Philippe qui vient de paraître, il s'est vendu sorte de catalyseur. Et à ce moment-là, pour une population hein, qui lui-même besoin de sortir des situations, hein, et eux-mêmes, ils prennent un ensemble de mesures et pour faire face à la situation. Donc, ce qui veut dire que. Et comme en général, il y a un pile de monde qui compte Ariel, et l'organe de Moïse Jean-Charles qui relance le mouvement au niveau de Cap-Haïtien, et il y a des leaders politiques qui ont dit Jean-Charles Cré, et Lavalas qui retire l'accord. Donc, où l'on Et qu'il y a des situation de. pressions. Et qu'il y a des pressions qui ont fait au niveau des pasteurs qui sont représentants dans l'ACT pour qu'ils retirent l'école. Oui, naturellement, le représentant voulait retirer l'école. Donc, j'avais dit que vous gagnez un ensemble de mouvements convergents qui ont même et qui ont tiré toute table pour Ariel Bala, mais en même temps tout, et ou gagnez en face là tout, et la police et puis l'armée, et le ça, si vous gagnez un important incident qui a débouché sous. Et une sorte de guerre civile. Et si vous arrivez là, j'en ai dit semaine dernière, là, on va rentrer dans la logique 1915. Et à ce moment-là, la communauté internationale, là, il doit intervenir sous une forme ou sous l'autre, sans Kenya. Ou bien, par contre, qui ça parle fait là, mais il y a trop d'intérêt tout en Haïti et pour quitter et. Situation dégénérée, on va pas contrôler. Donc, on a parlé de révolution. On a entendu Benoît, s'il y a une révolution, un changement radical, là, on a parlé de Guy Philippe Curtigan. Fait silence, mais il a un message et pour Kenya. Depuis semaine passée, il était fait lire. Donc, j'avais dit que la décision Kenya n'a peut-être pas lié avec ça. Guy Philippe était fait, puis c'est son décision judiciaire. Mais quand même, bon, ça a pesé quand même dans balance. On n'a pas regardé pour nous, hein, qui ça peut arriver. Confusion, inquiétude,
Donc, c'est comme Jim Nagadou, son remix de ça, nous avons fait notamment analyser la semaine dernière, là, qui va repasser encore dans la semaine ça. Là, nous regardons déjà, mais misère augmentée, le coût de la vie extrêmement élevé en Haïti. L'inflation qui déjà pour l'inflation mondiale, qui tombait à l'inflation locale, mounio pas qu'à vivre. C'est ça que mounio à la chaîne dont espoir. Et là, nous regardons les messieurs des accords et messieurs au pouvoir, bataille à fait nos politiques, et nous disons ça dans plusieurs émissions, retirez-vous ou mettez-vous, bam, font coup tout, sans que. Pas gain des solutions. Et c'est ça qu'on arrivait dans Jean-Monsieur Tabamère des journaux, etc. Pas gain des réflexions qui étaient faites ou dit, mais ensemble de problèmes qui est journal, le journal parle là. Si je prends pouvoir, 1, 2, 3, 4, mais comment m'a pas abordé ensemble de problèmes pour une solution. C'était la quête du pouvoir. Et nous arrivons au Carrefour pendant toute confusion, ça gain, il y a un groupe d'organisation en AVIA qui dehors tout, différents points de. Dans la diaspora. Il me dit une chance dans le début du mouvement, dans les cuisines, de là, dans la participation, question congrès. Le congrès, il est fait. Le congrès, c'est le congrès de Wanamet, du 14 au 21. Il est fait côté divers ateliers de travail, il est fait online, il est fait présentiel, sur terrain, etc. Ils ont sorti à des positions. Proposition, premièrement, un gouvernement pour 2 ans, un gouvernement bicéphale, avec un juge qui conseille le cas demandé, mais il n'y en a pas eu. Regardez bien, c'est surtout pour juger ça, c'est pour un juge qui est nommé. Donc, on est que Ariel est nommé par quel juge. On va bien pour entrer dans ça. Et ensuite, il a mandé un gouvernement pour 2 ans et qui focus sur 2054. Là, il y a un genou. Et nous, il y a longtemps, Jobin n'a posé la question de 2054. Je passe au micro. Micro, Jobin. Bon, moi-même, 2054, c'est depuis là, il y a un pays lock en 2019. Nous avons fait un premier article pour parler de question 2054 pour nous regarder comment, à l'année du 150e anniversaire d'Haïti, qui ça nous va le faire avec pays, hein, il faut le commencer à réfléchir depuis qu'on y a. Mais ça, on a parlé de 2019. Donc, nous venons, dans la discussion, moi-même avec vous, nous venons rendre compte que nous faisons une émission pour en vision 2054 avec des étapes. Nous faisons ça, nous faisons pile de vidéos individuelles, nous faisons vidéo à nous deux, nous faisons vidéo avec l'autre monde, nous parlons dans des conférences, nous parlons de ça. Donc, il y a un pile de monde qui a adopté qu'on a date 2054 là. Et là, nous regardons ce qui s'est passé dans le Congrès. Hein, ils parlaient d'un plan de développement et 2054, c'est-à-dire qui est arrivé en 2054. Donc là, ils rejoignent nous. Comme nous conseillons d'éléments, nous te baillons déjà, donc même mieux qu'à utiliser les éléments. Ça, et nous pensons que Haïti est un pays qui est développé dans les tiroirs. Il y a un paquet de documents qui existaient. Si vraiment ils voulaient faire bagaille pour 2054, donc ils ont besoin assez d'éléments pour monter un dossier sérieux. Donc, ça m'a dit, et qu'on a maintenant une grande question pour nous poser. Congrès a fait, c'est vrai, il fait Wanamet, et il bon, bien tout, il fait Wanamet, parce que les réunions, en sorte de symbolisme, parce que c'est côté canal là, à marcher, c'est là le fait, et il y a une grande motivation dans la zone ça. Et je pense que les bon que j'ai offert là, et on y a maintenant un grand somme d'actions. Il prévoit pour faire, il prévoit pour préparer l'élection, il prévoit pour la constitution, il prévoit pour mettre un gouvernement bicéphale, comme vous avez dit tout à l'heure, il prévoit pour choisir un juge au niveau de cour de cassation qui pas nommé par Ariel. Donc, il y a une série d'idées très claires de qui va bon aller. On a maintenant, l'offre de ce genre de congrès, il faut qu'il y ait moyen de politique. Parce que Ariel, c'est comme si Yoshita, sous volonté d'Ariel, qui lui-même qui va le démissionne pour sa fête. Or, il se trouve que Mbawen, en mesure Ariel a pris là, il y a des barrières qu'il y a avec démission. Qui ça va faire pour forcer Ariel qui est pouvoir, dans le monde qui connaît, mais au moins. Et l'élément, comment pour transférer le pouvoir, c'est déjà une bonne chose.
Donc, le fait que yo allé dans la Cour de cassation, yo retourné plus ou moins dans la Constitution, yo parlé d'un gouvernement bicéphale. Donc, yo rejoignent moun qui était là en face, Ariel, yo déjà, qui t'a parlé des questions de gouvernement bicéphale, tout pile accord qui était fait et des accords, ça, yo plus ou moins retrouvé dans ça, et bien content, yo retrouvé nous plus ou moins sous un plan de développement lui-même qui visait 2054. Par contre, qui est tapé là-dedans, puisque donc, par les documents, yo. Et Donc, c'est... l'autre aspect, Joubert, Ariel, est-ce que l'a démissionné? Est-ce que, monsieur, puisque dans le plan de gouvernement, pour gouvernement, c'est un monde qui est indépendant, qui n'est pas lié à structure parti politique, ou pas quelle condition. Est-ce que monsieur qui t'a gourmé pour remplacer Ariel, yo, après d'accord pour poisson fini en babouche? Bon, okay, de deux côtés, c'est-à-dire que les politiques qui étaient sous table là, qui étaient censés faire du bagage, ils ont pratiquement perdu. Et tous les clans ont perdu. Gomba, vous avez dit, on l'a, c'est pour les gens qui ont retiré quoi sous pouvoir. Enfin, l'opposition, ça, ils retirent quoi l'opposition pour le Balvin et autant que je m'y mette. Et puis pour Ariel, moi, je me maintiens pour Ariel retirer quoi lui. Et puis pour l'autre groupe, moun, de techniciens qui prennent là. Donc, ils presque rejoignent l'idée pour là. Je pense que c'est un fou. Mais le fait qu'ils ont adopté lui, donc ça veut dire que, comme vous dites, vous avez commencé avec eux, mais quand vous avez passé aux idées, ça, tout, mais c'était contre l'idée à venir. Il y a Donc, l'idée à venir pour continuer. en tout Parce que cas, tu ça, parles c'est de temps, important. on a écrit des textes, même pas même que tu as publié, sous question approche ça. Texte a écrit déjà, même pas que tu as publié. Bon, Et l'autre en tout cas, aspect. ça qui est important, c'est que au moins, il y a un papier qui sortit qui dit, mais qui s'est fait. Donc, ça veut dire que, et comment combler le vide là, c'est déjà une bonne chose. Donc, maintenant, on attend de laisser frapper avant de continuer, j'en ai fini. On a l'autre aspect tout au niveau de la communauté internationale. Puisque je tape gourmet avec politiciens d'Haïti pour que solution sortie de par les Haïtiens. Et comme c'est toujours laissé frapper, solution pas quand même sortie. Est-ce que le congrès de la CAER, peut-être est-ce que la communauté. Oh, le congrès de Ouanaminthe, est-ce que la communauté internationale t'a qu'à saisir pour dire bon. Mais on sait de mon pays, puisque ni de pays à qui j'étais ensemble, qui propose un bagaille. Est-ce que. Est-ce que vous avez sorti? Le problème, c'est que la communauté internationale va mettre à voir. C'est comme si Mdaradou, yo dit dans bouche qui ça ouvre pour Haïti, mais on dirait c'est enfoncé à enfoncer la situation haïtienne. Non, mais Moi-même. est-ce que Léo dit toujours bien la solution doit être haïtienne? Parce que nous pas douaniers. Parce que depuis sous Jean-Marie Aristide, même si c'était pas qui était mis, vexé comme ça. Pour moi, deux mondes qui sont dans le même pays, c'est blanc qui va le prendre, mais c'est grâce pour des Aristide, nous pas grand. Et que dans toute société, les grandes crises, monde dans la société, yo chita, yo arrivé à un point qui ne peut pas permettre le pays à éclater. Nous prenons le cas de voisin, nous. La dernière crise avec Pena Gomez, monsieur arrivé chita en côté, yo font un gouvernement de 2 ans qui un peu semble, genre, ouais, monsieur proposé là. Pour sauver le pays, et après 2 ans, ils retournent dans la normalité élection faite. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas jamais eu de problème. Ça, c'est que responsabilité, nous disons ça dans plusieurs émissions, la responsabilité haïtienne, la responsabilité de l'élite intellectuelle, de l'élite économique, c'est là le plus gros problème. Ce n'est pas la communauté internationale, c'est responsabilité pays ou c'est pas où. C'est où pour qui rêve, c'est où pour qui embellit, c'est où qui protège. Est-ce que cette absence de responsabilité de l'élite intellectuelle, de l'élite économique qui menait nous dans la catastrophe, nous y jouons, je vous dis là. Bon, et le cas de Balaguer avec Pedro Gomes, un petit différent, dans le sens qu'il a été accepté de négocier que Balaguer, au lieu de faire combien de temps ce pouvoir, il a fait 2 ans ce pouvoir. Et c'est depuis là, ça, il a résolu le problème, et puis il est rentré dans régularité. Non, Et Pena Gomez. Popularité Pena Gomez, c'était une époque sale, c'était quand même des gens dans la rue, manifestation crasée brisée. Parce que nous-mêmes, c'est le langage de manifestation crasée brisée. Ils ont entré dans la normalité que les classes, l'élite intellectuelle, classe policière, ils ont chita, ils ont sauvé le pays. Et gardé après 30 ans, côté pays, et nous-mêmes, gardé plus de 30 ans, gardé côté nuit, je ne veux dire. oui, mais ça me dit, par exemple, ou pas gagné.
Ou pa gen menm kalite lider sa yo, ou pa gen moun sa yo, yo menm, Haiti se pa, se pa, Haiti se pa, se pa premier souci yo, puisque toutan te gen problem yo la, pa jam gen moun ki pale, yo menm te pale de premier ministre bebe, ou bien de gouvernement bebe, tout problem ki ta prive pep. Et parce que ou gen plus que 200 000 moun la, ki pa chita la, ki pa gen la kay yo. C'est en battant son série de côté, c'est dans l'école, l'État, c'est l'administration, l'État a dormi. Donc, moi, je me demande que tu as gagné en préoccupation au niveau gouvernemental par rapport à ça. Donc, on y a la préoccupation, c'est par rapport à la question de la révolution qu'on a parlé, donc de perte de pouvoir, qui fait que on s'en mesure après la qu'on y a. Donc, moi-même, et là, par exemple, et Santo Domingo, Saint-Domingue, non? Exemple, ça lui-même, il est difficilement applicable en Haïti parce que Haïtien, yo, et le regard après départ Jovenel, après assassinat Jovenel. Donc, pas oublier, tout le monde qui a goûté là, c'était dans l'opposition. Donc, et on pense qu'on a cherché un jeune homme en forme d'entente rapide, mais ça ne va jamais arriver fait. Donc, à ce moment-là, qu'on est là, si ça va arriver fait entre eux, yo, donc, et qui était là l'opposition contre Jovenel, jusqu'à ce qu'il aboutisse à l'embrouille, bah, et qui gens eux-mêmes, ils vont chercher et jeunes en forme d'attente pour sortir des situations. J'ai l'impression, même le Ariel t'a tombé là, Ariel t'a allé, ou va dire bon, de problèmes qui se reposent après encore. Parce que en réalité, c'est toujours comme ça, monde qui se pouvoir nous voulait l'aller. L'elle finale, puis nous-mêmes, nous ne pouvons pas entendre nous pour nous faire rien. Et c'est toujours Blanc qui a venu, qui a pris une décision, qui a guidé des bagailles pour aller loin, sans selon l'autre. Mais c'est une solution à l'haïtienne, vrai. C'est une solution à l'haïtienne et qui de non, mais au fond, c'est Blanc toujours derrière qui a décidé qui ça a fait. En tout cas, bon, même. Et c'est comme ça, moi, situation. Hein? Napton, ça a privé là. Et semaine ça a décisive. Et vous pensez que Haïti, au bord vraiment du gouffre, c'est la catastrophe annoncée. Si nous n'avons pas assez de lucidité pour nous éviter la catastrophe, ça, et une possibilité pour éviter la catastrophe, ça, c'est peut-être et le départ d'Ariel. Et à ce moment-là, et même si Ariel est allé, qu'on est là maintenant, est-ce que tout le monde qui est chez Kéo là, est-ce qu'il est en mesure pour mettre tête ensemble, pour sauver le pays, hein, pour changer la situation du pays, pour faire changement radical, le dit, vous le faire. Et bon, ça, son question, nous quitter ouvert à tout le monde. Et moi-même, pensez tout le congrès de Wanamed Jean-Robert, nous avons parlé, on sait de bien qui était dans le congrès, moi, avant, nous avons discuté déjà, qui t'a lui fait. Je pense le congrès de Wanamed, ta ka on solution dans la mesure que moun ka pou men pou pouvoir pour remplacer l'autre qui aime pouvoir et si on adopte les principes du congrès de Wanamet et si ta gen des modifications au moins nous te ka prendre raison devant la communauté internationale pour dire voici la solution à l'haïtienne, voici nous en tant qu'haïtien mais nous ça nous proposer pour une période de 2 ans mais qui vision nous pour 2054 pendant 30 ans et que nous avons longtemps nous a parlé de ça dans différentes émissions la vision pour 2054 et question de plan et question de un nouveau contrat social. Je vais nous venir faire émission donc on n'est que d'attendre nous par contre ça va pas le passer parce que l'incertitude est grandissante, les menaçantes on j'en dis n'a gardé. Bon, moi-même, moi je pense que la situation a une grande décantation qui fait la dernière. Et rapidement, nous ne pas contre qui a la fête, mais nous pensons que dégénérer, situation dégénérée en sorte de guerre civile, parce qu'il y a trop de sang qui a coulé, et pour rien, parce qu'en réalité, rien n'a fait, tout sang a coulé, il n'y a pas un changement. Pour des besoins, et basé sur des cas, il y a une solution à l'amiable pour résoudre le problème, non, pour ne pas avoir besoin de gommer entre nous. Et puis, bon, il était utilisé éléments congrès pour mettre les barrières en application. Et si la communauté internationale a tout,
lui-même, parce que lui-même, lui tient à Ariel et lui appartient à une transition longue encore de 2 ans. Donc, tout le bagage, c'est des problèmes et que c'est des questions. Oui. Comment la communauté internationale va réagir par rapport à un congrès comme ça, et résultat congrès, hein? Et y a même quand même toujours besoin et domination sur chaque fait en Haïti. Est-ce que au même tout y a pas mal et si on pas une même mise sur moun qui dans congrès et moun qui ka vinn élu en fait pas élu choisi pour continuer et faire en transition. Donc là ça y a même tout y a qu'à saboter lui parce que il y a besoin toujours une mainmise sur la politique haïtienne. Même les a pas d'empile, il y a besoin pour nous tâcher entre nous, solution haïtienne. Tout ça, c'est parole, mais dans les actions, on va sentir qu'il y a besoin pour nous vraiment sortir des situations et pour nous arrêter toujours le modèle de pays failli. Et puis, bon, quitter son pays qui était vraiment bail de gros problèmes en 1804 et qui était écrasé question système esclavagiste. Et nous-mêmes, nous étions quoi? Et en 2054, Nouvelle Haïti, ça, il doit porter en plus et vivre un modèle de démocratie solidaire qui réduit les 40 riches et pauvres et laisse ça. Et c'est une forme de ça nous relance en forme de révolution tranquille, de révolution en douce, mais révolution quand même, c'est ça la poney. Donc, nous ne connaissons pas si la fête est vraiment en douceur ou bien si la fête est sans verser et nous ne pas souhaiter. Ou encore les bottes internationales, tout. Avec quoi? Les bottes des soldats étrangers. Oui, Il y a aspect tout. si vous prenez référence 1915, il est possible tout. En tout cas, n'a pas suivi. Nous arrivons à faire émission. Hein? Nous espérons que 2054, Jean-Roubaix, moi-même, nous révèle. Rivez bien. Mais en attendant, pour nous aller vers 2054 là, nous connaissons que Haïti existait, les Haïtiens n'existent pas. Nous avons souhaité que les Haïtiens existent pour Haïti et ils travaillent pour transformer Haïti. Même gens, les Américains, l'Amérique, les États-Unis, les Américains existent, le Canada ou le Japon existent. Les Japonais existent pour le Japon. Nous avons besoin que les Haïtiens existent pour Haïti. Merci Jean-Bert, à la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne.